3 mois. Tu dois être durant. Pour ces matières-là. La fille, donc. Travaux pratiques, donc vous voyez, l'étudiant se part sur un modulaire. Nous faisons des innovations. Nous appelons. Et nous sommes la ville de Beaumont. Nous savons que même sans les fallait commencer par Beaumont. Beaumont. Qu'il faut venir ici. Ce que nous pensons. Nous pouvons former le cadre. Nous fonctionnons provisoirement. De l'université, mais provisoirement. Suffisamment des candidats. Ils traînent avec le diplôme de licence, tout ça, nous avons pensé qu'il fallait la licence et maîtrise, c'est-à-dire le master.
Donc, quand nous avions commencé, premier module, deuxième notre système. Quand nous disons que les inscriptions sont illimitées, candidat étudiant, on peut s'inscrire dans et c'était ce qui est nous. Tout est facile. Comme les médicaments, c'est bien quand même le à finir et les travaux qui sont restés. Donc, je pensais, la population d'ici a vraiment besoin des soins de santé primaire comme il n'en a pas. Des fenêtres, d'autres travaux pour, et alimentation. Les quartiers est tellement rural et dans la forêt, on ne peut pas rester dans d'autres conditions que nous n'avons pas vraiment habitués de vivre de telles conditions. Cela, nous préférons peut-être demain ou le lendemain, nous allons retourner à Kinshasa et qu'on aura rempli des conditions horribles. On va ici fournir des soins de santé primaire avec les autres. Et nous allons tout faire, tout le monde qui est prêt de fournir les soins de santé en tant qu'une équipe mobile. Vingtaine de cas. Et, oui, mais il y a des cas encore qui sont là. C'est qu'on a déjà consulté une vingtaine de cas. Nous sommes en train de continuer. Une quarantaine de cas. Continuer de consulter. C'est à la population de Mbumbe. Nous sommes là. Nous allons installer un hôpital. C'est ça fait une demande de la population. Ils n'ont pas des soins de santé primaire de bonne qualité. Ils n'ont pas scolarisation des enfants. Et nous voudrons répondre à leurs messages, même si dans le peu de moyens que nous disposons en tant qu'une ONG. La question numéro 1. Thank you.
ya mundunu pe ya ndebama ina kele kidi Regarde, tu as un nom clair.
Le plus petit point. Vous pouvez le couper aussi, non? Ah, qui te plaît, yes. Ok, ok. Le prêtre, est-ce que André on a curé? Tout le monde, nous sommes ici devant la cathédrale Notre-Dame d'Assomption de Beaumain. Nous venons de la messe, c'est une messe que nous avions lancé notre intention pour l'implantation officielle de l'Université chrétienne internationale à Beaumain. Donc c'est une messe, nos œuvres ne peuvent pas se réaliser sans que nous confions ces œuvres-là devant Dieu. Donc Dieu puisse nous accompagner pour que nos œuvres soient les œuvres vraiment consacrées à la chrétienté. Merci. Miriam, how is that? Mugisun is our wife. Nguvado is a province name. Congo Central. Oh, the Congo Central, eh? How is the centre of Elina and Chancelier? Bozan number combien? Trois. Bien sur Botanga. Maintenant, on va gérer les appels. Yo aussi Kalaraka. Oya, vous avez besoin de vous matin. Ok. On peut venir. C'est donc en cette journée dominicale, après la messe d'intention pour l'implantation officielle de l'Université chrétienne internationale, donner le coup d'envoi. Donc je donne le coup d'envoi pour cette ici sera érigé les bâtiments pour l'Université chrétienne internationale. Voilà le coup d'envoi. Ceci, si vous avez d'autres impressions à demander aux étudiants, tout ce que vous voyez sont les étudiants qui m'accompagnent.
ils viennent tous de Kinshasa. Il y a aussi des professeurs. Il y a aussi des professeurs qui sont là. Ils peuvent aussi témoigner cette action de cette journée dominicale. Merci. Nous sommes très contents de visiter notre site où sera érigée l'Université chrétienne internationale ici à Bouma. C'est un site qui nous plaît beaucoup puisque nous avons compris que c'est un site géotechniquement merveilleux. Alors...